L'imparfait est-il subjectif? Orthographe, conjugaison, temps et mode, syntaxe, font partie de l'univers impitoyable de l'auteur, comme autant de maîtres exigeants et sévères. Pire encore, ils font l'auteur et sa crédibilité, même si de petites mains traquent à sa place, le plus souvent, ses imperfections de sous-doué. Mais, qu'en est-il lorsque l'instruction vous est supprimée à 7 ans et qu'à 67 vous avez quelque chose d'important à dire, les mots pour le dire, les phrases et le ton pour le faire vivre? De plus, vous êtes kabyle et l'enseignement du français s'est arrêté en primaire. Et si, justement, c'est cette absence d'instruction, cette souffrance d'avoir été laissé pour compte, cette aberration de l'histoire, qui jalonne son roman, qui dirait Mohand avait voulu coucher sur le papier? Son personnage principal, lui-même, a 7 ans lorsque l'école ferme pour toujours. Alors il écoute et regarde. Il écoute son village, ses légendes et ses peines, ses joies et ses plaisanteries. Il regarde ses montagnes et ses champs, il joue avec, il joue dedans. Il est kabyle en Kabylie, dans ses années 60, qui ne rappelle rien de bon à quiconque. Il ne fait pas la guerre, il la subit, d'un côté comme de l'autre. Il ne la juge pas, il ne la comprend pas. Il la contemple, d'un côté comme de l'autre. Il grandit en son sein et en connaîtra d'autres, guerre civile, révolution, agitation, fanatisme. S'il doit vivre avec, bien malgré lui, il y conservera l'âge du moment, qui s'effraie tout autant de légendes diaboliques, s'amuse de facéties locales, participe au labeur quotidien de la survie, s'émancipe en jeu d'une situation qui le dépasse. Mais il y a des yeux d'enfant qui vont au-delà des apparences et des mensonges, qui pressentent ce qui se dissimule derrière et voient ceux qui se cachent et mentent, d'un côté comme de l'autre. Et qui interrogent. On est très loin de Hors-la-Loi, le film de Rachid Bouchareb, et de ses polémiques insalubres. On est très loin d'ici également. On est en Kabylie et tout commence dans les années 50. Idi Raymond, matriculé /5341, fait traverser le temps à son regard d'enfant sans instruction, qui deviendra l'adulte sans instruction, qui osera écrire les guérilleros, qui en retrace la mémoire. Un roman à l'imparfait ou subjectif, revêtu d'un voile de pudeur sans naïveté, qui lui procure une force irrésistible faisant oublier que, sans instruction, on ne serait rien. Les guérilleros.